Maître. Maître Attard. Ah oui. Ah bien, bien, ma soeur, venez. Remercier la famille à mes côtés, mon épouse, Taslima, les enfants, mes confrères, tout un avocat qui nous dit qu'on a une vingtaine d'avocats qui sont présents. Moi, tout avocat qui gagne une caisse, il y a un idiot, s'il n'y a pas écoute conseil, sauf un camarade avocat. Et moi, j'ai sens et j'ai un frère avocat qui est très très doué pour la profession, très très bon avocat. En la personne de Jacques Pangloise, Gavin Glover et toute l'équipe, moi pour rater, si je rate un nom, toute l'équipe, nous avons une vingtaine d'avocats qui nous signent. Et c'est moi pour la nuit pour votre conseil, pour réfléchir demain et demain, pour faire un statement à la presse. Avant ce qui finit arriver aujourd'hui. Et. Demain, quand vraiment pour exprimer il faut de nous un petit peu plus de détails. Mais nous finissons tenir à réagir aujourd'hui à certaines procédures qui nous trouvent incorrectes et à vrai dire totalement inacceptables. Et de ce fait, nous finissons demander pour que M. Valaiden s'en aille ce soir, tranquillement chez lui. Et demain, les choses continueront. Tout s'est passé d'une façon assez, comment je vais dire ça, étonnante. Et Raman vous a dit qu'il va faire une déclaration demain. Ben, on va respecter son vœu et il fera la déclaration avisée, que je crois qu'il va faire. Et à partir de là, on va voir. Peut-être demain, on va voir. Ils sont là parce qu'ils... Mon grand frère du barreau, il est amené par la police dans une façon qui nous prend neutre, la façon qu'ils ont fini de procéder pour amener lui ici. Surtout qui, apparemment, j'ai besoin d'un statement de lui, qu'il y ait un témoin d'une affaire, mais moi, je trouve ça logique et normal, la façon qu'il amène lui ici. Écoute pour une injustice. Tout le temps beaucoup présent pour combattre l'injustice et normalement l'injustice commençait depuis des stations de la police ou soit dans CCID et moi tout le temps je fais de l'engagement consistant pour combattre l'injustice depuis dans ce noyau même. À cause de ça, moi là, premièrement pour soutenir un camarade du barreau et deuxièmement pour combattre l'injustice. Déjà avant, il dit bien ça, il y a ce qui me passait aujourd'hui. Et que vous considérez Marc comme un grand frère, vous là, vous soutenez lui et sur la famille. Et vous quand vous pensez un petit peu qui est arrivé à Zozi, dans quel contexte qui est arrivé, elle sait son camarade, depuis son bureau, elle a pris sa compagnie, elle vient là, dès que vous donnez un witness statement, qui est elle, mettez là. J'ai besoin de tirer une propre conclusion dans quelle qualité de pays nous pouvons vivre à cette terre. Pas de droit fondamental bien respecté ou ça non. Nous avons une grande question à poser et nous pouvons prendre une mesure corrective d'être en vie.